Ok, là, comme vous pouvez voir, on a découvert une jolie petite bâtisse. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est forte. Allez. On a découvert une jolie petite bâtisse ici, là. Et là, on est en... Oh, je suis accrochée. Oh mon Dieu. C'est... Oh, je crois qu'il a déchiré mon caouet. Ça, c'est fait. L'hôtel de police est juste à côté. Ouais, là on est vraiment pas loin dans l'hôtel de police, donc il faudrait qu'on fasse gaffe. J'espère qu'il va rien se passer de négatif. On n'est pas dans notre ville habituelle. Ah non, j'ai pas envie de... Oh mon Dieu. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est un peu terrain miné. Là, c'est très visible hein, ce qu'on est en train de faire. Mon Dieu, my God. Elle est tellement forte la lumière. Hein. Elle est tellement forte la lumière que j'ai... Moi, elle est plus forte. Ça, il passe par où, là? Je sais pas. Oh my God. My God. Mais c'est là, il y a des escaliers, là, en fait, là. Oh, bah oui. Putain. C'est parti, on est à l'intérieur. Ah, il y a un canapé là. Cool. Il y a écrit quoi? Ah, nique la police, à côté du poste de police. Bah ouais, juste à côté. Wendy, je t'aime. Si quelqu'un voit ce message. D'accord. Ah, merde, j'ai oublié d'allumer cette lampe. Voilà. Ah, bah oui, je me dis bien que t'as pas de lumière devant là. Ah mais c'est un squat en Amazon. Et là où il y a quelqu'un? On n'est pas là pour déranger. On visite juste les lieux. Hum? Il y a quelqu'un? Mars, c'est devenu un squat peut-être là. Ouais, bon, c'est vraiment dégueulasse ça, hein, ce squat. Ah, il y a une cave ici. Hein. Oh my God. Ouais, oh, oh, c'est très creepy. Faut juste pas que ça s'effondre. Et là, il y a quoi, passer. Genre? Attends, il y a une cave. Oh, il ouais, y a une cave là. C'est très creepy. Vous êtes venus pour des solutions fortes. Et ben, nous aussi. C'est très creepy. C'est beaucoup de soucis. Oh my God. C'est dégueulasse. Oh mon Dieu. Alix, tu peux me dire par où tu t'en vas? Alors là, on est visible de l'extérieur. Là, je donne juste la lumière. Il y a quelqu'un juste attention. Ouais, attention. Mon Dieu. C'est quoi ça? Ah, ça fait peur. On est sur le prison. Ah, là, on a des pièces vides. On va qu'on se renseigne sur le bâtiment quand même. Wow. Je peux pas diminuer ma lampe. Elle est trop forte dans mon visage. Voilà. Et là-bas, il y a quoi? Il y a un balcon, genre? Non, c'est encore une pièce en face, c'est ça? Je sais pas. Est-ce que c'est sécuritaire? T'es allé voir, Alix? Oula, non. T'es allé là-dedans? Je te jure, Amandine, que je vois pas le temps devant moi tellement je suis éclairée. Attends, ouais, j'arrive pas à trouver le truc là. Attends. Allez. C'est tout fou là. Il y a des matelas? Il y a des gens? Merde, on veut pas déranger hein, s'il y a du monde. Parce que là, il y a des matelas. Ah, ça trouve plus mon truc là, mon ISO. Regarde. Oh mon Dieu, my God. Ça le trouve plus. Pourquoi? Je sais pas. Il y a un truc devant. Ah. Attends, je recommence. Ouais, parce que là, c'est... Ah, voilà. Bizarre, hein? Ah, c'est bizarre. Hello, y a quelqu'un? Désolée, on veut pas déranger. Bah, on dirait qu'il y a personne, mais bon. Oh, tout est arraché, tout est vide. Ah, est-ce que t'as vu ici ce qu'il y avait là, Alex? Il y avait beaucoup de squats, effectivement. Ouais. T'as vu là ce qu'il y avait en face ou pas? Il y a quoi? Non, rien de spécial. Oui, mais je vais aller filmer, c'est pas dangereux. Non,
Ok. C'est dégueulasse. Ok. Il y a une barrière hein, quand même. Hein. Ouais. Oh, ouais, des grandes armoires. Pas belle. Hein. Les pièces, elles sont vraiment. Oh. Oh, ok. Ouais, c'est pas trop beau. Hein. Il y a beaucoup d'affaires par là. Je crois que je vais inverser. Mon téléphone a été expulsé. Ouais, je vais continuer comme ça, bonne idée. Ah, on va pas aller là-bas encore. Voilà. J'ai changé l'éclairage, vous me voyez un peu moins, mais moi je vois mieux devant moi. Ça me paraît mieux comme ça. Oh. Mais ça a été laissé vraiment dégueulasse quoi. Les gens en fait sont venus, ils laissaient ici quoi. Mais pourquoi? Si c'était un squat, c'est nul de laisser comme ça dans cet état. Ah putain, c'est naze. C'est nul hein. Ah c'est naze. Enfin franchement, le délabré là, je comprends pas. On est dans une poubelle. Ouais, on est dans une poubelle hein, clairement. Putain, c'est deg. Allô, c'est bien. Par contre, le grand couloir là pour faire des vidéos un peu creepy, ça serait bien. Mais c'est tout hein. Sinon le reste c'est du squat. Bon, alors, bon, bah, alors on va être un peu monté encore. Ah oui, c'est vrai. J'avoue, c'est pas discret. Allez, on va aller. Parti. Donc là, on est sous les toits. C'est un peu dur de pas être visible de l'extérieur, je trouve. Ouais. Dans le sens où toutes les fenêtres sont pétées. Donc si on nous appelle une voiture de cœur, là, bon, on dérange personne, on fait chier personne. Hein. Mais en tout cas, les volets des voisins, ils sont tous fermés déjà. Ça, c'est bon signe. Ouais, ok. Hello. Hello. Nous ne sommes pas là pour déranger. Coucou. Putain, juste en face de la fenêtre encore. Toutes les fenêtres sont pétées. Ah ouais. Donc on est grave visible de l'extérieur. Oh putain, effectivement, on va faire ça. Donc là, on est dans un grenier qui peut à tout moment nous tomber dessus quand même, hein, mine de rien. J'espère rien de grave ici. Mais là, c'est pas très sécu. On est sur un toit. Regarde le trou qu'il y a là. On est sur un toit qui se pète. Regarde. Oh putain, c'est pas du tout sécuritaire. C'est très, très dangereux ça. Voilà, c'est très dangereux. Hein. On a rien à foutre ici, je pense. Non, on va faire le tour des pièces là-bas, vite fait. Ah, c'est dangereux. Et on va descendre. Hein? Ça a brûlé, c'est dangereux à mon avis. Là, si on tombe, on se pète un truc. Hein. Parce que là, on est à côté. Il faut savoir que s'il y a un trou, ça veut dire que le sol sur lequel on se trouve actuellement n'est pas du tout stable. Hein. Bah oui, mais ça, de toute façon, ah, c'est dangereux. Hein. Faites bien attention là-bas, en tout cas. Voilà. Mais n'allez peut-être pas dans toutes les pièces après. Peut-être juste faire un visu comme ça et on y va. Ouais, j'avoue. Non, mais là, parce que là, s'il y a un truc. Si c'est trop abusé. Hey, il y a une chaussure. Oh. Pourquoi on laisse des chaussures comme ça? Ah. Une chaussure là. Le sol, il est... ouais, je sais pas, je le sens pas. Ouais, je le sens pas du tout non plus là. On est, c'est pas du tout sécuritaire ce qu'on fait là. De toute façon, il y a rien à voir. C'est des décombres. On se casse. La cave sera plus sécuritaire, je pense. Ouais, j'ai vu. T'as vu ce que là? Oui, bah c'est rien. C'est des étagères. Ouais, j'ai vu. Il y a quoi? Moi, j'ose pas y aller. Hein. Je sais pas. Imagine le sol, il pète quoi. C'est chier quand même. Vas-y doucement. Parce qu'on est quand même mat, mais tous, il y a des trous partout, que ce soit au plafond ou sous nos pieds en fait, à un moment donné. C'est pas tip top. C'est vraiment laissé à la base, il y a rien de spécial ici. Ouais. Il n'y a rien de. Il n'y a rien. Vas-y, on se casse. Moi j'ai envie de voir la cave. Ouais. Il y avait ça avant? C'est quoi? Ça? Ouais. Je sais pas, je l'ai pas vu sur mon chemin, je sais pas. Tout bardi, hein. J'ai peur. On redescend? En plus, on est grave en visu là sur la route. Allons à la cave, on sera moins visu. Ok, on redescend. Comme ça, tu marques à ton truc. Ouais. Je sais. Oh my god. Putain, les gens ils ont pas géré, c'est vraiment devenu une déchetterie de squat. Ah, ça bête tout, ça bête le charme un peu, hein, comment. Ouais,
Là, il n'y a aucun charme. Il n'y a aucun charme là-dedans. Certes, c'est creepy. C'est creepy, mais pas comme on voulait. Hein. C'est dur, hein, toujours de trouver des lieux. Ouf. Ah merde, le sol il se détruit pour descendre à la cave, Amandine. Oh mon dieu. Est-ce qu'on y va? Là, il faut lever le pied. Hein. Tu tapes pas dessus. Hein. Fais gaffe. Hein. Marche pas dessus, t'as un grand pas. Ouais. Ouais. Très film d'horreur la vue d'Alix là. Parce que je filme Alix en même temps. Je trouve que là. Waouh, fais gaffe là sur. Ouais, c'est pas tip top. Là, cette marche là, regarde Amandine, il y a le vide derrière, j'aime pas. D'accord, ok. C'est horrible. Ah, j'aime pas, c'est quoi ces trucs là, ces dégâts, ces escaliers. Je sais pas. Pourquoi j'ai pas mis ma capuche? Je suis une grosse bouffonne. Ouais, là, il y a des trucs derrière. Elle est où, genre? Elle est où, genre? Je la trouve pas. Il veut même un sachet pour la tête. Ah. Non, parce qu'ici, ça pue la poussière. Hein. On sent la vieille cave. Mais elle reste pas. Mon dieu. Ça pue ici. Quel est cet endroit maudit et très moche. Maudit endroit. Ah, très moche endroit. C'est moche, c'est sale, ça pue. Ah, enfin une vision. Attends, il y a un truc que j'aime bien, moi. Viens voir. Ça, c'est la beauté de ce lieu, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai lâché ma lumière. Putain, ta lumière à 60 balles. Oui. Regarde, Amandine. Là, on a l'endroit le plus artistique de ce lieu. Ouais. La nature qui reprend ses droits. Complètement. J'aime. J'aime ça. Oh, ben, il n'y a pas que les plantes, hein. L'étoile d'araignée aussi. Ouais. Et tu vois, toute cette baraque est très moche. Et là, on a le seul endroit où c'est un peu, on retrouve l'artistique. Ouais, c'est vrai, hein. C'est l'urbex. C'est un peu le seul endroit. C'est ici, là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, c'est là, voilà. Mais sinon, c'est... J'aime bien les portes aussi en bois dans cette bâtisse. Ouais, ça a même si elles quoi. Sont toutes défoncées, c'est très sympa le côté planche. Mmh. Bon, voilà. C'est la porte d'entrée du sous-sol de base de l'extérieur en fait. Okay. Ah ouais? Ah bah elle est scellée. Hein. Mais là, on y avait rien. Et où Alix? Il est remonté, je crois. C'est en nous? Il est remonté. Quel bâtard. Oh! C'est quel bâtard. Ah ouais. Ah, une grande étagère. J'aime beaucoup. Qui veut faire son shopping? C'est... Je sais pas. C'est une chaufferie ici sûrement, c'est la chaufferie de la maison. Je pense. Oui, je pense. Là, là, ouais, là-dedans. Ouais, c'est le sous-sol, c'est souvent ça. Ah, aussi. Ouais, ça c'est là. C'est... Bon, allez, on se casse. Ouais. Parce que franchement, c'est vraiment dégueulasse. C'est pas grave, on a essayé tout le temps. Ouais. Ah, wow. Ok. Ah, là aussi, la nature est là. Ah, voilà. C'est ce qu'on vient regarder. C'est aussi un peu ce qu'on vient regarder, quoi. C'est vrai. Voilà, ça, on aime. Là, ici, en fait, c'est la fois, je ne tiens trop pas, quoi. Moi, j'aime pas trop ces escaliers. On est juste pas dans un grand écart pour passer. Oh my god. Ah, j'aime pas ça. Attends. Mais là, c'était la porte d'entrée de base. Alors. Ah ouais. Voilà, qui a été renforcée. Ok. Bon, ben voilà. J'aime bien voir ça aussi. Putain, le con. C'est un gros con. Ah. C'est fait, ta maman. Ah. Ça a marché un peu. Ok, donc là on va juste éteindre nos lumières pour ressortir. Oui. On est quand même à côté du poste de police. Ne l'oublions pas. Il y avait quoi ici? Il y avait rien, je crois. Du squat. Ouais. Une horreur de squat, il n'y a rien à voir. La porte, elle a quoi? Elle a quoi? Elle est fermée aussi. Elle est condamnée là. Condamnée à mourir. Et voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Quittons cette poubelle. C'est parti.
Alors on aimerait beaucoup rentrer dans cette grande bâtisse là. C'est une grande bâtisse abandonnée qui va jusqu'au bout là-bas. Ah, c'était une usine, hein, je sais pas. C'est con, hein, parce que... C'est con. Je regarde juste ce qu'il y a là-dedans. Pas con. Non, c'est noir, je vois rien. Ouais, imagine, il y a une main qui sort là comme ça. Arrête. J'aime pas. Genre, ouais, ici, ça serait hyper cool. Regarde, on voit l'intérieur ou quoi? C'est vrai? Il y a des masques. Ah putain, j'ai eu peur. Ah ouais? Non, ça fait peur, imagine, on voit une tête aussi là. C'est vrai, hein, on sait pas. Bonjour. J'adore ces vieux petits volets, c'est très cool. Alors moi, j'avais vu que derrière les volets, il y avait une fenêtre pétée. Oui. Il me semblait, hein, c'était là. Ouais, c'est là. Voilà. Et bon, là, il y a les habitations. Bah ouais, là, ça craint, on peut pas du tout faire quoi que ce soit, quoi. Mais là, derrière, j'avais vu des vitres pétées en journée. C'est une sacrée bâtisse, hein. Ouais. Et là, les gens, ils habitent là, mais du coup, tu vois, c'est n'importe quoi. Il faut qu'on fasse tout le tour de l'autre côté. Ah, on peut pas se voir le tout par là. Ah, c'est quand même de l'autre côté. Mais comment j'arrive à sortir de là? J'ai l'impression que de l'autre côté, j'arrivais pas à remonter, c'est vachement haut. Hein. C'est vrai, c'est haut? Ou Alix, j'aime pas trop ça. C'est plus haut. Ah. Attention, Alix. Mais Amandine, t'arriveras à remonter? Je sais pas. Moi, je vois même pas d'ici la hauteur, là. Je sais pas du tout ce qu'il y avait de côté pour monter. Mais je peux voir la profondeur, c'est, pas, c'est comment? Mais après, il y a le grillage, c'est vrai, mais... À mon avis, c'est le grillage comme ça, c'est que quelqu'un a déjà essayé de remonter. Ah, parce que c'est pour remonter. Ouais, je pense. Ouais. Ça sert à remonter le grillage. Je pense, ouais. Mais je sais pas si j'y arriverai. Regarde, mais il est bas, regarde. Là, tu peux juste marcher là. Ah merde, il est bas. Non, je vois pas. Ok, on a réussi à passer. Cool. On a cette grande bâtisse. Yes. Par où on rentre, Alix? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Tu vois, il y a un tag avec écrit Welcome à côté du privé. Eh oui! La lumière? Mais oui, c'est les vitres ouvertes, Alix. Putain. Wow. Heureusement que j'ai fait un saut et que je me suis pas pété en avant. Parce que là, c'est adieu mes dents. Putain, mais c'est ça aussi, on voit rien le soir. Ah, j'ai oublié de mettre la lampe de poche avec. Ça, je vois pas bien aussi. Voilà. Ok, ok. C'est par où l'entrée, Alix? Je pense qu'il doit y avoir des entrées. Ouais, là-bas. Oups. Là, tu arrives? Ouais, la lumière vers le visage, c'est compliqué. Il faut hein. Que je mette ma lumière, ça. Elle est où? Dans mon pote. D'accord. Hello. Personne là-dedans. Regarde, vérifie Amandine avec ta grosse lampe là. Je vois rien. Moi non plus. Je vois des murs. Ok. Il y a écrit quoi? 67. Ah. Forcément. Bah oui.
quoi? Hein? Le plancher en mode. Ouah! Oh mon Dieu, Seigneur. Oh putain, je kiffe. Jamais sur une même planche. Quoi? Entre les deux. C'est quoi ce bruit? C'est mon sac. Putain. Il était resté bloqué. Là, il y a l'escalier. Quand vous passez à droite. C'est un sacré lieu. Hein. Ouais. Wow. Ouais, il est démoli le sol là-bas. Hein, ouais, il est démoli. Mais par contre. Oh, genre là, c'était des escaliers avant, mon dîner. Ouais, ça a cramé. Oh ici. Putain, on peut pas du tout monter quoi. Ah, là, déjà, oh, c'est dangereux la merde. J'adore les escaliers. J'adore ça. J'ai trop les nerfs de pas pouvoir monter. Regarde, on peut pas monter à mon dîner. J'ai quand même trop les boules. Peut-être qu'on pourrait passer ailleurs, à l'autre côté, peut-être après, on va voir. On sait jamais. Ah, ouais, je sais pas. Putain, j'ai quand même les boules. Oh putain, ouais, c'est clair. Merde. J'adore tellement, je voulais tellement monter. Je sais pas pourquoi, il y a un truc, c'est... j'ai maté trop de films d'horreur dans ma vie. Mais tu vois, les réas et tout. Les réalisateurs. Ouais, je regarde le sol. Il y a des bouts partout. Le sol est mi-caoutchouc, tout mi-véreux. Pourquoi ça s'arrête un peu? Mais Alice, il n'y a rien à voir avec elle. Alors ici, on a un sol qui s'effondre. Ok, ça y est, on est en bas. Oh my god, mes lumières éclairent pas loin du tout. Bon, ici, concrètement, il n'y a rien à voir, je trouve. Ah, mais moi, j'ai un problème avec le zoom ici. Hein. À chaque fois, dans les jeux abandonnés, j'ai beaucoup de problèmes dans les zooms. Hein. Ah, t'as des mises au point, hein? Ouais, très énervant. Des recherches de mise au point. Ok, là, c'est vraiment un local vide de chez vide. Ouais. Il n'y a rien de spécial ici, à part des trucs qui peuvent nous tomber sur la gueule, concrètement. Ouais, concrètement, ouais. C'est pas trop la peine ici, hein. Ah, c'est dommage. On va prendre la peine, non? Ah. Je sais pas. Regarde, c'est juste au-dessus du sol qui s'est effondré, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Ouais. Regardez ça. Ah, c'est chaud. Ouais. Ouais. Mais enfin. C'est chaud, hein. Putain, c'est chaud. C'est chaud. Ah, bah voilà ce que j'essaie de filmer avant. Mais oui, la mienne, elle tient pas, mon jean, depuis avant. Ah, c'est un ascenseur. Non. Je te jure. Ah bah voilà. C'est un ascenseur, regarde. Imagine, t'as une main qui sort de là, comme ça. Des yeux. Appuie. My god. Pourquoi? C'est crâne. Ça va rien faire du tout, qu'est-ce que t'imagines? T'es con. Ah, espèce de jean, là. Espèce de jean. Non, t'as pas l'ouvrir, dommage. Dommage. Ouais. Oh my god! Et à l'écran, elle décombre. Ça vaut pas le coup. Hein. On va monter pour voir, mais quand je vois l'état du sol, j'arrive pas à croire qu'on a marché sur le même plancher que celui-ci. Quoi. Ouais, c'est pas cool du tout! Ça fait plus peur avec une lumière faible comme ça, quand même. On est dans les mains. Oh my god, c'est la deuxième fois. Mais je vois pas ce qu'il y a au centre, je suis éclairée. Hein? La meuf, elle vient de dire, je vois pas ce qu'il y a au centre. Mais je te jure, ma lumière dans la gueule, le dual view, c'est très bien. Hein. Mais c'est pas pratique. Je trouve que je vois pas assez ce qu'il y a par terre. Merci. Donc là, c'est très très chaud, hein, on a compris. Oui. Très. Même. Putain, je sens les lattes ici à mon lit, je veux pas d'un accident, c'est très haut. On se rend pas compte de la hauteur entre le plafond et le sol. Dans ma chaussure. Oh putain, tiens-moi ça. Merci. Oh putain, mais il y a un truc qui est rentré sous mon truc. Hein. Quoi? Oh mon Dieu, regarde. Oh, regardez. Oh mais putain. J'ai failli me rentrer ça dans le pied là. Mais à mon lit. Putain. Alix. J'avais un clou dans mon pied. Mate le clou, big comme ça.
Oh my god. Ça arrive. Génial. C'est quand même terrible, ça, je trouve. Hein. Putain, je suis choquée. J'ai très peur. Quand je vois l'état du sol, là, devant lequel on vient de passer. Hein? Oh, et non, je marche pas là. Ça sert à rien. Mais c'est trop dangereux, là. Bah ouais, moi, j'aime bien faire des vidéos YouTube, mais non, comment vous dire, je vais pas non plus me péter une jambe. Ouais, non, non. J'aurais adoré voir les... Là, j'adore, tu vois, je... Tu c'est vois beau, ça hein, c'est très beau, mais... Ça, c'est là, ma cam, ça. Parce que ça, c'est ma cam, les escaliers, là. Je sais pas pourquoi. Ouais, les escaliers, hein, c'est mon beau, truc, hein. Ça. Je suis d'accord. J'adore. C'est... Tu vois, les réas, les films d'horreur et tout, ils sont toujours axés sur les escaliers, oui, ça. Oui, c'est vrai. Ça ancre un truc dans mon esprit, là, je pense. Oh my god. Voilà, donc clairement... Ouais, bon, écoute. Hein. De toute façon, prendre des risques pour aller voir des pièces vides, bon. Amandine, ma lampe, elle est en train de s'éteindre. Oh mon dieu, ma lampe, elle me lâche. Attends, qu'est-ce qu'il fait, lui, là-bas? Qu'est-ce qu'il y a, Alice? Il tâte le sol, je ne sais pas trop. Ouais, bah, il n'y a rien là-bas aussi, c'est cool. Bah viens, s'il n'y a rien, ça sert pas à grand chose de prendre des risques. Je suis quand même contente d'avoir ce visu d'escalier complètement bousillé parce que ça, c'est vraiment ma cam. Oui. J'adore. Moi, je reste là, je prends pas de risques. Hein. Oui, t'as raison, t'as amplement. Marche sur la planche, marche sur la planche, Julia, s'il te plaît. Oh my god. Alix, tu viens, s'il te plaît. Amandine, regarde ma lumière, elle est éteinte. Oh. Elle est au max, ça. Elle sait, elle a plus de batterie. Oh, elle a plus de je comprends pas. Là. Ouais, bah ouais, bah écoute, hein, ça laisse tomber. Hein. Il n'y a pas d'autre endroit, je pense à s'en regarder là. Ouais. C'est vraiment je ne sais pas. Je vais comment aller dans la cave en fait. Ah. Quoi? Oui, il y a des caves. Mais on y était, qu'est-ce que tu racontes? Ah, on y était? Bah oui, c'est le premier truc qu'on allait voir. Elle est folle. Ouais, ils sont. Eh oui. Ouais, il y a rien là-bas. Je me suis niqué la main. Ça va? Ouais, non, ça c'était avant sur une ronce. Il faut pas que tu désenfermes. Pour les boules, bah ouais, carrément. Oui, c'est ça, on était là. Voilà. Ah, qu'est-ce qui est tombé là? Mon portable. Ça y est, c'est la fin. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. Je crois que c'est la fin. Bon, c'était quand même des petites visites sympas. Hein. C'est quand même compliqué de chercher des lieux partout. Ah, elle est là. Ah. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, je crois. Dommage. On aurait voulu que ça dure un peu plus longtemps, je crois, mais avec tout ce qu'on a trouvé, franchement, c'était pas mal délabré. Ouais, c'était trop délabré. Autant la première maison était délabrée par les humains, autant celle-ci, pas vraiment, mais non, clairement, là, naturellement, par le feu. Hein. Ouais, dommage. Ça a laissé des énormes trous, on ne pouvait pas prendre de risques comme vous avez vu, donc ouais, clairement, c'est vraiment trop dommage. Bah, j'espère que vous avez quand même un peu kiffé la vidéo, que ça vous a un peu diverti finalement. Mmh. On vous emmène avec nous en balade, hein. C'est voilà. Ça. Je veux dire, finalement, c'est à l'époque, quand on n'avait pas de caméra, on cherchait des petits lieux abandonnés comme ça. J'avais ça dans les cheveux. D'accord. C'est très grand, Amandine, t'as mis du temps à te rendre compte. Voilà. Genre voilà, quand on était plus jeune, on n'avait pas de caméra, mais on faisait ça entre nous. Ouais. Et ben là, c'est pareil, c'est comme un petit vlog. Partage. Vlog de recherche urbex. Voilà. Et ben j'espère que vous avez kiffé. Quelque chose de mieux, peut-être. Ouais, c'est voilà. Ça. L'important, c'est que vous ayez kiffé. Allez, à bientôt. À bientôt.